Coucou, c'est l'anniversaire de Mago. C'est les essences qui font comme ça là. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne. Donc comme prévu, je vous avais dit que j'allais poster tout ce que j'ai fait depuis le mois de septembre. Et je vais vous partager tout ce que j'ai reçu. Donc aujourd'hui ça va être notamment un vlog. Le vlog de mon anniversaire. Vlog des petits soins que j'ai fait depuis la sortie de l'hôpital. L'anniversaire de Destiny et un haul beauté. Donc je vais vous laisser d'abord avec le vlog. Je voulais notamment aussi remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de laisser un commentaire, des prières, des mots d'amour sur ma dernière vidéo. Je vous en remercie énormément. Je vous fais des gros bisous. Juste un petit coup de gueule à pousser, c'est que la plupart de personnes qui ont dit qu'elles me suivent depuis très longtemps ne commente pas, même si vous ne commentez pas, mais vous ne likez même pas les vidéos. Pourquoi les filles? Si vous aimez ce que je fais, c'est votre façon en fait de pouvoir en fait me booster, on va dire. Même un petit j'aime, un j'aime, voilà, pas justement, parce même un commentaire c'est pas grave, mais un j'aime. Parce que j'ai regardé beaucoup de personnes, j'étais pas familière avec certains noms, donc j'ai regardé quelques noms, j'ai pas lu tous les commentaires, mais quelques commentaires j'ai lu et je me suis rendu compte que vous n'avez pas commenté ni liké. Et ça m'a fait un peu bizarre parce que vous avez dit que ça fait longtemps que vous me suivez et quand j'ai cliqué, j'ai vu que c'était votre premier commentaire et votre premier j'aime sur la vidéo. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse. Donc je vais vous laisser avec le vlog et je vous reprends avec le haul. Je vais venir faire, j'arrange les ongles parce que c'est pas très facile. Je sais pas. Déjeuner, Clary Cheese. Hello les filles, donc aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis venue manger, j'ai même pas vlogué, j'ai vlogué vite fait, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma caméra, donc je suis venue au Clary Cheese, j'avais prévu de venir toute seule manger, mais j'ai mon amie qui est venue avec moi, donc voilà, je vais aller acheter du fond de teint là, parce que le fond de teint là il est catastrophique. Diane fait coucou. C'est l'anniversaire de Mago. Recule-toi un peu s'il te plaît, je filme pour moi. Fais voir les lunettes. Nous on est toujours en train d'essayer des lunettes ici. Ça fait futuriste en fait. Oh, I've seen much worse. Purple in the morning, blue
in the afternoon, orange in the evening. That's my three meals, Mr. Smarty Pants. Ok, donc là, tout, oh là là, tous les sacs, les party bags pour l'anniversaire de Destiny sont prêts. C'est ce que j'étais en train d'apprêter. Are you happy? I was about to say. Yes. How old are you today? I'm 9. Okay. Athena and make up and love if you want to last that summer. Pull side fries and turn up. Make sure all your hands and you're gonna sit in silence. This is happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello. Bravo, c'est bien. Que le hall vous a plu. Destiny a passé un super anniversaire, elle était vraiment très contente. C'était assez sympa l'endroit que j'ai eu à réserver pour son anniversaire. Un petit truc entre avec ses amis de l'école. C'est un concept assez sympa. J'ai eu un peu de mal à réserver, à préparer parce que la communication était un peu longue et tout avec la propriétaire du business. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Et voilà. Donc là, on va commencer avec le haul, ok? Voilà. Donc, j'ai reçu ce produit de chez Clarins. Donc, c'est le double sérum lipidique système. Donc, c'est un traitement complet jeûne intensif qui se présente comme ça. Je suis sûre que vous avez dû le voir un peu partout. Donc en fait, la bouteille est très très jolie et en fait vous pouvez la fermer et l'ouvrir. Donc, oups,
Ça, ce sérum aide à raffermir la peau, resserrer les pores, hydrater la peau. Puisqu'il y a la hyaluronique acide. En fait, il y a 5 actifs ingrédients. Donc, l'hyaluronique acide et le reste, je ne sais pas. J'écrirai sur l'écran quand je ferai le montage. C'est l'un des produits que j'ai reçu. J'ai aussi reçu... non. Donc, j'ai d'abord vous montrer ce que j'ai acheté moi-même et ce que j'ai reçu. Je me suis acheté aussi pour mon anniversaire. Donc, du coup, Ilona m'a offert une bougie. Je ne sais pas c'est laquelle, mais je sais déjà c'est quoi parce qu'elle m'a demandé ce que je voulais. Elle m'a ouvert une bougie et je n'ai pas encore ouvert parce que je savais que j'allais faire la vidéo. Alors. Bon, après, Diptyque, ce n'est pas extraordinaire leur packaging pour des cadeaux. Sauf si vous achetez plusieurs produits, vous avez droit aux box. Mais quand c'est un seul produit, en général, ils emballent dans un petit papier comme ça. Je trouve pas que c'est il est top en fait, même le sac est plus joli quoi. Donc c'est la bougie, c'est l'une de mes préférées de la boutique en fait. Les seules senteurs que j'ai eu acheter de chez Diptyque, c'est baie, trancaps, figuier. J'ai acheté ça en home spray, que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez commencer à acheter quelque chose un peu luxueux pour votre intérieur. Oh là là, là j'ai juste ouvert comme ça, mais comment ça sent tellement bon. Ça sent super super bon. J'ai tellement de boîtes en plus comme ça à la maison parce que c'est super pour la décoration et vous pouvez utiliser pour mettre n'importe ce que vous voulez en fait à l'intérieur. Donc voilà, ça m'a vraiment touché qu'Ilona me fera un cadeau. voilà, surtout un truc que j'aime bien. Ensuite, j'étais chez... Chanel. Donc je me suis pris un fond de teint. Fond de teint que j'ai porté aujourd'hui. Je sais pas comment vous trouvez. Mais par contre, quand j'ai utilisé le fond de teint, j'ai mixé ça avec la base filtre de chez Christian Dior. Que je trouve que c'est un super produit. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections sur le visage, vous pouvez l'utiliser tout seul. Juste pour vous donner un peu de glow au visage. Donc c'est le la collection Les Beiges. C'est le teint Belle Mine naturelle, hydratation et longue durée et longue tenue Healthy Glow. Ça vous donne vraiment un Healthy Glow. J'ai l'impression que mon visage même il brille trop en fait. Mais je trouve que c'est un super produit si vous n'avez pas beaucoup de tâches à cacher. Si vous n'avez pas beaucoup de tâches à cacher et que vous voulez tout simplement quelque chose de naturel, voilà. J'étais quand même bluffée par le rendu. Parce que ma copine en fait. Quand nous sommes allés manger, je lui disais que j'avais besoin d'acheter un nouveau fond de teint, mais j'hésitais entre Dior ou bien Pat McGrath. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait mis et tout, et elle m'a dit qu'elle avait mis la poudre Chanel. Donc je lui ai dit, allons, on va chez Chanel, je prends le fond de teint là-bas. Donc j'ai pris ça, et j'ai aussi pris... tout est éparpillé, là, bien sûr. J'ai aussi pris le parfum Gabriel, parce que j'adore le parfum. J'adore ce parfum. Parfum floral... sensuel, voilà, très sexy, très féminin comme senteur. Voilà, j'ai pris la boîte de 100 ml. Donc moi j'ai pris l'essence par contre, c'est Gabrielle Essence, j'adore. Oh là là, je n'arrive pas à m'en passer. Franchement, j'ai acheté cette année le Hermès qui est juste pour les cheveux. Je l'ai terminé, je crois que je l'ai acheté au mois de mars, je crois. Mars ou février, j'ai complètement terminé. Parce que j'utilisais aussi pour moi, en fait, le matin, quand je déposais la petite, un peu dans les cheveux. Mais tellement ça sent bon, j'en rajoute, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris le parfum Gabriel et le fond de teint Chanel. Et franchement, je suis vraiment bluffée. Et je vous conseille énormément le fond de teint, ce fond de teint. En fait, il me fait penser aussi un peu au fond de teint de chez Giorgio Armani. Le fini, comment c'est en fait? C'est un très très beau fond de teint. Je trouve que ça se complimente bien avec ma peau. J'ai l'impression que c'est un peu trop rouge en fait. C'est ce que je pense, que c'est juste légèrement trop rouge. J'aurais pu aller pour quelque chose qui est légèrement plus clair. Parce que quand j'ai vu le fond de teint, je me suis dit, ah non, c'est trop rouge. Je me suis dit, ah non, c'est trop rouge. Et quand j'ai regardé sur le site, c'est une teinte...
yellow, quoi, un undertone, une carnation, comment on dit même, undertone, mon undertone jaune en fait, mais quand je regarde, j'ai l'impression que pas vraiment. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai porté aujourd'hui et j'adore. Honnêtement, je suis satisfaite. Ensuite, j'étais chez Look, enfin, j'étais pas chez Look Fantastic, mais sur Look Fantastic, j'ai acheté des produits puisque j'étais, on va dire, allaitée. Et donc j'ai pas vraiment mis beaucoup de crème et tout, donc j'avais la peau sèche, donc du coup j'avais besoin de crème, j'avais besoin de plein de produits. Donc j'ai acheté des produits chez Look Fantastic, vu qu'ils vendent pas mal de produits pharmaceutiques, pas toutes les boutiques vendent ici en Angleterre. Donc j'ai commencé avec la crème uriage qui s'appelle Xemos, qui est super bien pour hydrater, réparer votre peau. Et en plus, ben, pour nous les peaux noires, je trouve que c'est super bien. C'est super bien, c'est hydrate super bien. J'ai une cicatrice qui me démangeait et j'ai mis ça sur la cicatrice. Les démangeaisons ont arrêté directement. Je cherche les mots. Voilà, c'est pratiquement fini. Franchement, je vais racheter. Je préfère même par rapport à l'Epicare, parce qu'en fait, le problème avec l'Epicare, le baume, c'est que c'est très riche. Donc, c'est vraiment très très lourd. Attendez, je vous montre un peu. Ça veut dire que quand c'est la fin de la bouteille, c'est une galère en fait pour pouvoir faire sortir le produit tellement c'est riche. Donc là, je vous montre sur les deux côtés. Donc voilà, donc j'ai acheté ces deux crèmes hydratantes là pour le corps. Moi, je me suis prête, je voulais prendre deux crèmes, je me suis dit, ah, je vais prendre ça et je vais prendre ça pour les enfants. Mais moi, je... Donc voilà, donc ils ont écrit quoi? Crème relipidante, anti-irritation, nourrit, protège, apaise les sensations de démangement, des démangeaisons, pardon. Et là, c'est l'Epicare Baume AP plus M. Donc, vous avez l'Epicare, le lait, qui est plus liquide, et vous avez le baume qui est un peu plus lourd, quoi. Donc, quand c'est la fin, comme ça, ça n'est pas une galère pour pouvoir le faire sortir de la boîte. Donc, c'est une baume triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Si vous faites de l'eczéma, vous avez des peaux sèches, que ce soit bébé, maman, les enfants, le mari, tout le monde peut utiliser ça. Voilà, et puis là, c'est la saison. C'est pas la saison, mais voilà, là, il va faire froid, donc on va être un peu plus dans la période où la peau va être un peu plus sèche, un peu plus tiraillée, donc je vous conseille ça. J'avais pris aussi l'huile uriage, la vente, mais j'ai pas aimé. Je vais pas recommander ça. Je voulais le Bioderma, mais j'ai pas trouvé. Et j'avais aussi essayé l'huile nettoyante de chez L'Epicare, j'avais pas aussi aimé. La seule huile que j'aime bien, bon, l'huile, on va dire savon, qui hydrate en fait quand on sort, on va dire c'est Bioderma, mais le number one vous connaissez, c'est Naturium. Mais Naturium aussi, c'est pas toute la famille qui peut utiliser ça. C'est vrai que l'emballage de Bioderma, c'est plus, plus familial, quoi. Voilà, ensuite j'ai acheté la lotion peeling éclat de chez Nuxe. Voilà. Et j'ai utilisé ça 2-3 fois et c'est super bien en fait pour exfolier votre peau. Si vous voulez un exfoliant doux que vous voulez utiliser, je vais vous recommander ça. Moi au réveil, j'avais la peau qui pelait, quoi. J'avais la peau qui pelait. Après, il faut dire que j'avais aussi la peau très sèche à ce moment-là. Donc à utiliser que le soir par contre, hein, parce qu'il y a de l'acide à l'intérieur. Je crois que c'est de l'acide glycolique si je ne me trompe pas. Voilà, donc quand vous l'utilisez le soir, normalement c'est obligatoire, mais il faut utiliser de la crème SPF. Ensuite, j'ai acheté cette pâte dentifrice-là. Je voulais celle qui blanchit les dents, mais il n'y en avait plus. Et je suis accro. Franchement, vous qui êtes en France ou à Paris, en France tout court, parce que je pense que à Paris, je me dis que c'est peut-être un peu moins cher les produits pharmaceutiques en parapharmacie. Vous êtes vraiment chanceux parce que vous avez des bons deals. Ici, ça m'a coûté, je crois, 9 livres. Et je sais qu'à Paris, c'est beaucoup moins cher. Quand je vais aller à Paris, je vais faire un stock de malades. Bref, donc voilà. Donc, j'aime beaucoup comment ça laisse ma dent, en fait, assez fraîche. Mes dents, mon haleine. Pas mon haleine, ma bouche fraîche quand je finis de me brosser les dents. Et l'autre est très bien, vraiment, pour blanchir légèrement les dents. Pas celui-là pour les fumeurs. Le blanc normal, en fait. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté chez les Look Fantastic. Si je me souviens...
bien en fait. Ensuite, donc j'ai reçu des produits coréens de la marque Mixoon. Je n'ai jamais testé. J'ai jamais en fait testé des produits coréens qui sont dans la trame. Mais j'ai quelques produits que j'aimerais bien commander et tester. Le seul produit coréen que j'utilise, c'est Dr. Jart. C'est tout. Donc, ils m'ont, vous voyez, une gamme. On va dire une gamme complètement entière. Et je suis tellement excitée d'utiliser ça, en fait. Ça, je voulais trop utiliser ça. Les petits cotons que vous collez sur votre visage pour tonifier votre visage. Donc, c'est la marque Mixoon. C'est une marque coréenne. J'ai l'impression que leur key ingrédient, c'est le pois chiche. Parce que apparemment ce serait un ingrédient qui aurait des bienfaits pour la peau. J'ai fait aucune recherche là, donc je me suis un peu voilà, documentée sur leur page. Ok. Le truc que j'ai acheté, que j'ai utilisé même ce matin, c'est la brosse Revlon Babyliss. Oh, les filles, vous en avez besoin, je vous assure. Bref, finissons avec ça et après, je vais vous en parler. Donc ça, c'est une huile démaquillante. Ah, ça, c'est bien ça. C'est pas une huile démaquillante, c'est une huile nettoyante. Attendez, je vais essayer de sentir l'odeur. C'est propre, quoi. En tout cas, il n'y a pas d'odeur chimique dedans. Il n'y a pas d'odeur chimique. Bon, en général, l'huile, moi, j'utilise ça pour me démaquiller. Par contre, je voulais vous parler d'un produit, mais on en parlera une autre fois, pas aujourd'hui. Donc ça, c'est l'huile, c'est le Bean Cleansing Oil. Ensuite, j'ai le Centella Foam Cleanser. Bon, je suppose que l'huile, c'est beaucoup plus pour les peaux sèches. Mais il y a des gens qui ont aussi la peau grasse qui utilisent l'huile de temps en temps parce qu'ils veulent hydrater leur peau. Parce qu'ils ont une peau grasse et déshydratée. Ça existe. Et là, c'est Centella Cleansing Oil. En général, le Centella, c'est pour apaiser la peau. Donc, c'est comme s'ils m'ont envoyé les produits qui sont pour une peau sensible. Oh là là. Ah, c'est crémeux. Et les packagings sont clean en fait. Donc voilà, ça dit quoi ça? Bref, donc c'est un nettoyant hein, pour le visage. Donc c'est à base de Centella. Et vous savez, la crème chlorane, pour celles qui... leurs parents ont eu à utiliser ça, il y a du Centella dedans. Parce que c'est... le Centella apaise la peau. Les gens qui ont une peau très sensible... En général, les ingrédients des produits qu'ils utilisent, c'est pour avec du Centella. Mais genre vraiment très, très, très sensible, quoi. Ensuite, ça, j'ai déjà vu ce produit. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je n'ai pas vu, mais j'en ai vu un autre. Celui-là, c'est le Bifida Ferment Essence. Ils sont tous blancs, les produits. À croire que c'est de l'eau qui est à l'intérieur. Mais tellement tout est fermé, là. Bon, on va aller un peu plus vite. Ensuite, oh oui, c'est ça que j'ai vu. Ça, j'ai vu ça dans la routine de quelqu'un. Et elle avait donné un bon retour. Ah oui, là maintenant on a un peu de jaune parce que tout est blanc, blanc, blanc là. Donc ça, c'est le Sondi Centella Asiatica Essence. Bah, l'essence, vous savez hein, comment on utilise ça. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un sérum. Un sérum, ça s'appelle Glacier Water. Ah, là, j'ai l'impression que tous les produits sont à base d'eau. Ils sont faits à base d'eau. Mais ça a l'air un peu plus lourd. Mais pour un sérum, c'est bizarre. La boîte, en général, il y a toujours une pipette. Donc, voilà. Ma belle-mère me disait... est-ce que j'utilise tous les produits que j'ai? J'ai dit, ouais, je teste. Je teste la plupart des produits que je reçois. Et quand je vois que ça ne me va pas, ben, je fais une pause ou bien j'essaie de l'utiliser d'une autre manière. Ça aussi, c'est une autre essence. Ça aussi, c'est une autre essence. Mais pourquoi les produits sont transparents comme ça? On dirait de l'eau, en fait.
Ah voilà, c'est ça que j'avais vu. C'est pas de l'eau, c'est ça. Oh, c'est les essences qui font comme ça là. Il n'y a pas d'odeur dans leurs produits, hein, je vous assure. C'est l'haricot. C'est l'haricot. L'essence d'haricot, c'est ce qu'il y a écrit. Ensuite, ça c'est quoi? J'ai un SPF 50 plus. Cute. On va voir le SPF si ça fait un voile blanc. Ah non, même pas. Par contre, l'SPF, c'est une odeur un peu forte. Et ça fait pas de voile blanc. Et donc, l'essence, elle est. Waouh! Elle est riche! Elle est vraiment riche. Et ça, c'est les, vous savez, les patchs qu'on met sur la peau, là, ce qu'ils ont, ça s'appelle des mic pads, mais ça, c'est à base de lait. C'est à base de lait. Je vais utiliser ça ce soir, mais, ou demain, le week-end, je ferai une routine avec. Parce que le reste, je le garde pour la semaine prochaine, pour l'autre vlog. Donc, voilà tout ce que j'ai reçu, tous les produits. J'ai oublié un produit. J'ai acheté une brosse, la brosse Revlon. Bon, là, mes mèches, elles sont pas aussi au plus propres. Mais c'est une brosse vraiment trop bien parce que ça vous démêle les cheveux, ça vous sèche les cheveux, même les cheveux naturels, sans vous les agresser, sans vous faire du mal. Mais voilà, et ça vous les démêle vraiment bien. Et si vous avez des perruques ou vos cheveux même naturels, vous pouvez utiliser ça, faire votre blow dry, votre brushing, vous mettez des rouleaux et après, bam, vous avez des bouncy, des curls, des boucles volumineuses. Je vais vous montrer et je vous mettrai le lien. J'ai acheté ça, j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. Parce qu'à la base, en fait, je voulais prendre le Dyson. Le Airwrap. Je ne sais plus c'est lequel que je voulais mettre, acheter. En tout cas, je voulais acheter celui-là qui séchait les cheveux. Et après, je me suis dit non, je vais prendre celui-là qui a ben, le truc blow dry et tout, avec le peigne et tout. Et ils ont sorti encore un nouveau ben, qui est bien pour les cheveux bouclés. Et finalement, j'ai pas. Franchement, je me rappelle quand j'étais plus petite et tout, j'avais des amis. J'étais partie en colonie de vacances en fait. Et je voyais la grande soeur, je crois, d'une amie. Quand elle se lavait les cheveux, elle faisait son blow dry, mais comment, son brushing, mais comment elle était. Oh, elle était comme une pro quoi. Elle faisait chup chup, mais genre avec le sèche-cheveux et la brosse quoi. Tu, vous voyez. Donc ça, vous n'avez pas besoin de. Si vous êtes nul, comme moi pour les blow dry, c'est trop bien. Voilà, vous faites votre truc. Et. Après, si vous voulez vraiment des bonnes boucles, vous achetez des rouleaux. Donc, vous séchez, vous faites un peu bah, de démêler. Et après, vous faites votre rouleau. Vous laissez comme ça peut-être quelques heures. Et après, bam, vous enlevez les rouleaux. Vous avez vos bouncy curls. Et c'est ce que je vais faire. Parce que là, j'ai acheté des rouleaux, mais ils sont trop petits. Je vais acheter des rouleaux plus grands. Et c'est ce que je vais faire pour boucler cette perruque. Ou bien mes autres perruques qui sont un peu plus longues. Voilà, donc c'est... une brosse comme ça, toute simple. Mais faites attention parce qu'il y en a plusieurs. Je mettrai le lien en bas parce qu'il y en a une autre plus petite qui est comme une brosse en fait, mais c'est pas ça. C'est ça qu'il vous faut. Donc vous avez juste ben, au froid à froid, l'option à froid, l'intensité 1 pour la chaleur et 2 un peu plus chaud. Et faites attention parce que ça brûle, ça chauffe. Donc voilà, hey, je vous conseille. Vous avez besoin de ça les filles. On est fatigué d'aller tout le temps au salon pour faire les trucs. Vraiment. Les filles, commencez à apprenons à tout faire. Le maquillage, skincare, les cheveux, tout à la maison. On va au salon de coiffure vraiment juste un peu pour dépanner. Parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller au salon de coiffure tout le temps. Et tout ça, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera un peu plus mode. Pas vraiment, peut-être pas vraiment, mais c'est mon plan normalement. Donc voilà, c'est tout. Et voilà. En tout cas, Cathy va bien, Cathy va mieux. Voilà, on tourne la page, c'est un nouveau chapitre. Et on avance. On voit ce que le bon Dieu nous réserve pour
l'avenir. Et chaque jour, alors on remercie, on le remercie de nous réveiller chaque jour et puis de nous bénir et nous protéger chaque jour, c'est important. Donc voilà, donc là je commence à reprendre les vidéos doucement. Je n'ai pas encore fait de routine skincare parce que ben, c'est on va dire ma base en fait, skincare. Mais je pense filmer sûrement ce week-end parce que j'avais prévu de faire ça cette semaine. J'ai une semaine assez chamboulée. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut les filles, des commentaires, suivez-moi sur TikTok, sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des vidéos que vous aimeriez voir. Si vous voulez que je vous fasse ma nouvelle routine de teint, est-ce que vous aimez mon make-up d'aujourd'hui? Et j'adore, j'adore. J'ai utilisé presque que des nouveaux produits, pratiquement. Voilà, mais je ne me suis pas cassé la tête, je crois. J'ai fait des trucs vite fait, mais que des nouveaux produits. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!